Garonne. Et le 11 août, on aura fait 12 jours ici. 12 l'été. C'est vraiment un coin qui nous plaît. C'est magnifique. Voilà des petits bistrots à Rhodes avec les pâtes aux fruits de mer et moi j'ai de l'agneau avec une super présentation. Waouh! Départ de Rhodes. Et cap nouveau sur Simi. Fallait nous pousser. Voilà, bye bye l'île de Rhodes. Partie force 3, force 3, 4. 10 et 12 de devant. Et on va tirer des vents jusqu'à 6000. Donc ici, on part sur la clôture pour l'instant. Comme ça a soufflé relativement fort pendant presque 10 jours, il reste un peu de vague, mais le bateau file bien. 4 nœuds, 4 nœuds et demi. Après une belle nave de 6 heures au pré-série. Et Chantal pour un repas et demain on continue en direction le nord. On est le 13 août, c'est 6h20 du matin, on est prêt au départ pour continuer notre montée en ici l'aller au sud de l'île de Kos, toujours avec le Jordan Pif, 37 000 à faire. On se prépare. On va surtout pas oublier de fermer la vanne du lavabo des toilettes parce que hier on a oublié, on était à gîte et le lavabo s'est rempli d'eau de mer et a débordé et ça a été un gros foutoir. Voilà, 6h du mat, moteur en route. Hier en allant contrôler l'ancre, j'ai vu que la pointe s'est prise sous une roche. Alors on va essayer d'avancer gentiment le bateau en tirant l'ancre à l'envers en espérant qu'on arrive à la sortir comme ça. Voilà, c'est parti.
on a dû remettre le monteur. On s'est très serré avec 8 nœuds de vent et les vagues qu'il y a. C'est pas possible. Et on a droit dans le vide. Donc on va déjà aller contourner. On a remis le Génois là, puis on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas l'étarquer comme il faut. Et en fin de compte, on a une pièce qui est sortie en haut d'une main. Voilà, donc changement de programme, on va aller dans la marina de Kos pour contrôler pourquoi j'arrive plus à étarquer comme il faut mon Génois. Nous voici près du site de Knidos, au bout de la péninsule de Dalcha. Et on va tourner en l'endroit derrière l'embranchement, direction Kos. Toujours le vent d'un pif, mais la grand voile appuie un petit peu. Escale technique à Rhodes, une petite visite du château. Une petite vue du château, du port de Kos, du port de Manraki. Il y a le ferry là, enfin le petit paquebot là, donc il y a du monde. Voilà, départ de Kos après 3 nuits d'arrêt technique et cap sur Serimos. Naturellement, le vent dans le pif. La partie de Kos, là on est dans les hauts fonds à la sortie, il y a 5-6 mètres de fond. Fait que les vagues avec 15 nœuds de vent elles creusent pas mal. Ça ira un peu mieux au large. J'espère. Des 3 bateaux pirates qui sont à fond les manettes. On ne pourra pas leur échapper. C'est là, prépare-toi. Bon, on les intéresse pas. À 6h du matin, on est le 18 août dans la baie de Pserimos. Grand calme. On va décoller aujourd'hui, remonter sur l'île de Kalymnos. Voilà, pas trop chaud, mais c'est hyper humide, 92%. Thank you.
Voilà, départ de la ville de Pierre-Immense. Rencontre avec deux bateaux français, fort sympathique. Et c'est parti pour aller visiter un petit truc qu'on n'a jamais été. Nous voici parti de Pierre-Immense et on va aller sur Calimnos et on va essayer d'aller dans cette petite baie là. Voilà, on approche de cette petite baie là. Cette jolie petite baie, hein. Mais avec un bateau là c'est déjà quasiment plein parce que là c'est trop profond. Mettre une amarre à terre, pas trop envie. On continue de remonter. Là, on va tenter cette baie là. Un catamaran au fond. Un super petit coin à 20 mètres de fond, le kata est amarré en libre, donc c'est compliqué de s'y mettre. Alors on va voir celle-là. Alors on a trouvé un petit creek sympa rien que pour nous à l'est de Calimnos. Les coins comme on les aime. Incroyable, de la paroi rocheuse. Levé du jour sur notre petite crique. Ici, quand il y a des gros bateaux qui passent au large, des grosses vagues rentrent, cette nuit on s'est fait passablement secouer. Et en fin de compte, on avait des amarres qui passaient à terre, là, tenues par ces chaînes, et ça a arraché la roche. Donc une des amarres avait lâché durant la nuit. Heureusement sans conséquence. On est encore tenu par celle de bâbord et notre chaîne à l'avant. Mais voilà. Mais ça a bien secoué, hein. Oh là. Il est 9h, départ ce matin de notre petite crique fort jolie, mais quand il y a des vagues qui rentrent, ça secoue pas mal. C'est uniquement dû au bateau qui passe. Et on montait environ 6 000 pour venir ici. À Palionisi, où il y a des bouées et restaurants. Ça va faire environ 1h30 de nage tranquille au moteur parce que pas de vent. Navigation le long de la côte est de Calimnos. Ce matin, petit souci, la poignée de gaz revient toujours en arrière.
sais pas pourquoi, alors en attendant, il y a coincé une petite cornette. Ça fera l'affaire. D'ici qu'on trouve une solution. Là on va faire une petite visite de cette petite baie là. On arrive au fond de la petite baie là, qu'on vient juste explorer. Ça a l'air sympa, il n'y a pas un chat. Ah ben, un beau petit coin. Et ici, qui est bien fermé. Donc, normalement, pas de houle qui rentre. On va peut-être une fois y aller. La marée se couait dans la petite baie. De Palo Nisis, sauf erreur. Et voilà, petit repas dans ce charmant endroit. Alors ici, de la chèvre, sauce tomate et spaghetti, et ici, spaghetti aux crevettes. Tu vas te régaler. Et tout ça dans cette taverne où on est déjà venu maintenant au moins 4 fois. On mange super bien. Qu'est-ce qu'on peut bien bricoler avec ça? Puis une petite cuillère. On fait ça quand on a vraiment plus rien à faire. Ah bon. Voilà, mais quand on fume une pipe, puis qu'il y a du vent, les cendres s'envolent et puis on en met partout. Donc, petite modification avec la cuillère, la petite pièce et un petit couvercle. Et là, ça va nickel. Voilà, les aussi francophones à côté de nous. Avec le. Départ de Palionisos ou Palionisou, et on va remonter sur l'île de Leros dans la baie de Xerocampos. On attend une bonne fenêtre météo pour descendre sur l'île d'Amorgos, qui est en principe très ventée. On aimerait bien aller par là-bas. À peu près au milieu des Cyclades. On a refait les points météo et on a changé nos plans. Au lieu d'aller dans la baie ici, on va tirer 25 000 sur l'Evita. Et ici, au fond, voici le passage entre l'île de Neros et l'île de Kalymnos. Et une fois sorti du passage, cap sur l'île de Levita. À traverser voile génois et moteur, direction Levita. Force 2, 3, on appuie au moteur. Voici l'île de Levita devant nous.
bonne petite houle. Une bouée pour nous tout au fond. Allez, on se risque jusqu'ici derrière. Mais... nickel. Voilà la baie de Lévita. Et nous ici, tout au fond, un peu loin de ce monde. Alors, on va aller voir où se trouve ce petit restaurant ici. Ce joli petit chemin. Voilà, défaut de drone qui fait la plongée sous-marine. On grimpe. Ici, le petit bistrot de Lévita. On y range ce soir. Ici à côté de l'île. Et là, la baie avec les bouées, avec l'étoile filante tout au fond, tout au fond. Il y a un catamaran qui vient d'arriver là. C'est magnifique. Et la petite grimpette sur le sommet là. Assez sportif, il faut essayer de pas se tordre les pieds et trouver des petits passages. En principe, suffit de suivre les guéguelles de chèvre. Hop. Bon. On va arrêter le téléphone avant que je me pète la figure. Voilà, ces murs en pierre avec des branchages dessus pour éviter que peut-être les petites chèvres ou je sais pas, que les animaux passent dessus. Quel travail! Alors, descendre au bateau. On a réservé pour ce soir. Petite entrée horta, c'est des épinards. On va se régaler avec un bout de pain, un peu d'huile d'olive dessus. Voilà, troisième bistrot, troisième fois de la chèvre. Et c'était là des meatballs. Voilà, petite soirée dans la ville Lévita. Et demain matin, départ à 6h. Une traversée sur Amorgos de environ 35 000 avec le vent de le pif, mais pas trop de vent. Voilà, 6h du mat, départ de Lévita et de cette petite entassée de bateau. Grand voile ici, il n'y a pas un PDR pour l'instant. Et c'est parti. Pêcheurs dans la mer. Là, nous voilà partis discrètement.
un petit semblant de vent. D'apercevoir les falaises d'Amorgos. Voici l'île de Kinaros, au lever du soleil. Voilà, ici sous l'île, là le cap sur Amorgos. Alors, on devrait passer au nord de l'île, mais le vent pour l'instant ne le permet pas. Quand on approche de l'île, il faudra qu'on vire le bord. Il y a 14 nœuds de vent. Une petite gîte. À 20 degrés. Un angle de barre, pas trop grand. On a changé de bord, donc on a viré, on est loin de l'autre côté, et on va remonter jusque là pour revenir après ici sur l'île. Voilà, ici on a encore 15 000 à faire, mais on est à contre-courant, le vent a faibli, le vent a aussi tourné, ça veut dire qu'il faudrait tirer passablement de bord. Et moteur. Ah, le vent a tourné un peu. On arrive à rappeler un peu avec les voiles. On arrive gentiment dans la baie de Catapola. On est parti à 6h ce matin et il est 14h. Pas très agréable le long de l'île parce qu'il y a des bonnes vagues, du bon tournant. Donc c'était moteur, voile, pas de voile, du moteur, que de la voile, des voiles qui tapent. L'entrée de la baie de Catapola. Ça a l'air bien calme ici dedans. Ça a l'air mignon comme tout.
Alors aujourd'hui on vadrouille sur l'île d'Among Us. Et c'est parti. Bagnole, une petite Suzuki, toute cabossée. Voilà, un joli petit coup d'œil. Là en bas, l'étoile filante. Coup d'œil incroyable. Et voilà, on s'est arrêté là. Et on va monter dans ce monastère là. Voilà, nous voici de la montée. Incroyable. On continue. Bonjour petit chat. Bonjour. Hein? Et bonjour. Bonjour. Bonjour petit chat. Bonjour. Mais vous êtes tout mignon, tout gentil, vous. Hein? Ouais, arrête. On approche. Oh, ça grimpe, ça grimpe. Voilà, ici en bas, des petits jardins. Voilà, entrer dans le monastère. Ils ont mis des petits habits à disposition pour se couvrir. Voilà. Yes. Ça, tu marches sur des ficelles. Oui, justement, c'est dangereux. Non, mais combien pour une petite boisson du monastère? Alors, chérie, est-ce que aussi tu ressembles à une grand-mère? Voilà, magnifique. Donc, on a reçu un petit verre d'eau, un petit verre d'alcool. Fort sympathique, cette petite boisson offerte. Un pêcheur là en bas. Descente à pied vers la plage où le bateau Olympia s'est échoué.
Voilà, il ne reste plus qu'à remonter cette petite vallée. Et c'est parti. C'est 10h30, il ne fait pas encore trop chaud. Voilà la Cora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moulins. Ça a l'air magnifique. C'est blindé de voitures au parking. On viendra plus tard. Et ici en bas, la baie où on est amarré. C'est à l'autre bout de l'île, à la chasse d'un restaurant qui nous a été recommandé par deux charmantes auto-stoppeuses canadiennes. Ça grimpe, ça grimpe. Voici dans cette sympathique taverna à Tolaria. Ah, tu peux même garder ces choux là pour que tu peux t'asseoir aussi là. Tu nous... Voilà l'autre extrémité de l'île, le village des Biani. Les petites chèvres à l'ombre. Voici sur la Cora, à la Cora. La Morgos. Il fait drôlement chaud. Ah ouais, essaie de monter là-haut. Je sais pas si toi tu vas pouvoir monter, hein. Oh non, je vais t'attendre ici dans l'ombre. Ah, mais voici sur la tour en pierre, enfin en rocher de la Cora. Au moins quart, ça schlague bien. Ma louloute est restée. La bonne combine pour gagner de la place avec des tables sur les escaliers. Heures du mat, départ de Katapola pour monter à Koufonisi, la grande voie est haute. Et c'est parti. Voilà, c'est parti pour Koufonisi, panneau. Un peu plus au nord, 12 000, c'est environ 22 km. Ici cette superbe île avec ici un bateau grec, un Gipsy 335. On a suivi un moment, on les a filmés, on leur a envoyé le film dans la nave, hein, quand ça secouait. Et alors il nous a invités pour un apéro hier soir. Le
monsieur était pilote de chasse dans l'armée grecque sur un fantôme. Baba Yamorgos, magnifique île. Et en route pour dans la brume là-bas, l'île de Ici. La petite île. Belle lave ce matin. Auprès, il y a pas mal de courant ici, environ 1,5 nœud. Ce matin, 7h, départ en annexe. On va essayer d'aller là derrière. Je crois qu'il y a des cavités, des grottes. Les vagues sont quand même pas mal, hein. Bon ben retour, les vagues sont trop grosses. Débarquement imminent. On met les roulettes. C'est vrai que de rôder pour la clanette, ça a été ça. Daniel, il y a un autre bateau touriste qui arrive. Ouais. Enlève-toi. Voilà, voilà mon matelot, comment il me cause. Hein? Comment voulez-vous que je m'en sorte? Et puis ça, le matin, à 10h moins quart. Alors, on va quitter cette baie qui est quand même très houleuse. Donc, on voit là, ça balance pas mal. C'est idyllique, mais il y a de la houle qui rentre. On va aller voir ailleurs si c'est meilleur. Voilà, le 25, donc on est parti notre baie houleuse ici. Et on va venir là. Bon, ça se coule moins. Il y a des bonnes vagues. Et force 2. Donc voilà le village de Koufonisi où on était au mouillage il y a 3 ans je crois. Voilà, on va passer ici entre la petite île et Koufonisi. On va l'appeler sud-ouest. Mètres de fond. Là, ici, les
méga yacht. Et là où on veut aller, il y a en tout cas 3-4 mains, donc on va les schmucker un peu. Bon, il y a du monde par là derrière. Voilà, l'arrivée dans la baie, quand même un peu de houle. On verra si tout d'un coup on se lance à mettre une amarre à terre, si on veut rester quelques jours. Aujourd'hui au mouillage, petits travaux de couture sur le taux de boom. Ça s'est décousu là-dedans. Voilà, ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, ça. Un petit orage qui s'approche. 6h du matin. Un départ de Koufonisi Kato. Un tout petit peu de houle, mais pas trop mal. On a fait une journée complète. Maintenant, on part sur Choïmouza. Il y a un orage pas loin et il est en train de passer devant nous en s'éloignant. On va passer la honte et contourner, remonter là pour aller dans cette baie là ou cette baie là. On arrive gentiment vers notre lieu de mouillage. On va être par là-dedans. La marée sur l'île de Choïmouza avec ici ce système, je crois, de récupération d'eau. Plus la peine à faire crocher l'ancre à des endroits, c'est rocailleux, mais là on est bon. On est par 9 mètres de fond et 50 mètres de chaîne. Ça devrait la faire. Voilà, petit dégivrage du frigo, là, de la petite glacière. Il en avait bien besoin. Un peu d'épaisseur de glace qui isole, mais ça refroidit moins bien.